Hey, salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comme ça va, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Driver. Allons-y. Vous avez trois nouveaux. Vas-y, fais-moi écouter ça. On a besoin d'un taxi. On a 2-3 courses à faire en ville. Débrouille-toi pour nous en trouver un. Et si possible, en bon état. Ok. Ouais, ta gueule. On a repéré les caisses de Granger. Elles sont garées à Midtown. Appelle-moi si t'as envie de plier de la tôle. Ouais, on va faire la voix de Bruce Willis. Vraiment. Parce que c'est la voix de Bruce Willis. Hein. On va écouter d'ailleurs, attendez. Oui? C'est dans mes cordes. C'est bien, très bien. Ça roule alors. Bah, je croyais que j'avais pris le truc de plier de la tôle là. Ouais. Ouais, si j'y voyais quelque chose, je t'avoue que ce serait plus facile de dégommer la voiture de Granger, mais... Puis Hermione, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Hermione, pour qu'on veuille défoncer sa voiture? Je savais même pas qu'elle avait une voiture. Pourquoi j'en veux à Hermione? Sérieusement, c'est Emma Watson quoi. Putain, y'a pas à lui en vouloir à elle. Bon, écoute. Voilà. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Aucune idée de ce qui s'est passé là. Je t'avoue, pourquoi ma voiture s'est retournée comme ça, comme une caisse à savon, j'en sais rien, mais... Non. Non, là, je t'avoue, c'était... Non, j'ai pas compris. Toujours les mecs qui coupent les priorités, hein, ça change pas. Et puis... Il est sombre ce jeu là, c'est hallucinant. Je vois rien. Je vois rien, vous voyez mieux sur... Ouais, vous voyez mieux sur votre écran que moi en fait. C'est hallucinant à quel point j'y vois rien. Ouais, mais j'ai... Ok, retourne à l'hôtel, je veux bien, mais... Là, j'ai pas compris pourquoi il y avait 50 000 flics qui m'en voulaient. Mais bien sûr! Bien sûr! Un flic inévitable qui arrive dans ta gueule! Logique! Bah oui! Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est évident! Au moment où je suis sur le point de semer le... Putain, mais dégage! Putain, regarde-moi ça. T'essayes de couper et tout. T'es en mode, allez, si je prends ce virage rapidement... Et... Ben non, il y a un civil qui prend tout son temps dans l'intersection. Désolé. Désolé. Désolé, connard. Ouais, bien sûr, voilà, sème-les. J'ai plus assez de... Voilà, ma caisse est plus assez solide pour juste pouvoir les buter.
Bien, on va y retourner et prier pour que... Allez, F6, rien à foutre. Je sauvegarde en cours de route, là, parce que... J'ai absolument pas envie de recommencer depuis le départ. Non, 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 mais va chier, regardez-moi ça. Voilà. Prévu par le jeu. Sérieux. Bravo, les mecs. Franchement, bravo. Fallait y penser. Mettre une bagnole de flic juste avant l'arrivée. Fallait y penser. Voilà. Putain, j'ai bien fait de sauvegarder, moi. Hein. Joli, ouais. C'est ça qui serait joli, jouer de jour et sans la pluie aussi. Ce serait aussi joli. Histoire d'y voir quelque chose. J'ai un job sur mesure pour toi, Cobra. Un des quatre Grangers a collé des négatifs que je voudrais bien voir. Alors, tu sautes dans ta caisse et tu me la ramènes. Il l'y comprend. Ouais, voix française de Bruce Willis, aucun doute. C'est lui. Oh putain. Ok, on recommence. J'en ai marre de cette nuit, de cette pluie de merde. Sérieux, je peux jouer de jour. J'y vois rien. Et je vous jure que c'est pas l'émulateur ou autre, hein. Le jeu je l'ai sur PlayStation réel, ce genre de mission, tu n'y vois rien. Mais pour de vrai. Tu vois pas les petits obstacles sur la route, tu vois rien. Ah oui, avec toujours évidemment la bagnole que tu poursuis qui roule à la même vitesse que toi. Tu vas pas plus vite pour lui rentrer dans le cul. Non, non, même vitesse. Et tout. Putain, voilà. Là, oui, je me suis pris le réverbère parce que je ne l'ai pas vu. Putain, je l'ai juste pas vu. Il fait trop sombre. Putain, j'y vois rien. Putain, mais bande de débiles. Vous faites pas des missions de nuit quand vous n'arrivez pas à gérer la nuit dans votre jeu! Un faux gramme de mes deux couilles là! Ah bien sûr, et nuit et pluie, hein, histoire d'avoir la maniabilité de merde. Voilà, regardez-moi ça, regardez comment il trace. J'arrive pas à le rattraper, je suis à fond sur les gaz, et je ne touche rien, je n'arrive pas à le rattraper. Voilà. Regardez-moi ça, je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Je le rattrape pas. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez, regardez bien. Voilà, et le moment où il tourne, bah t'as pas le temps de réagir, hein. Regardez. Est-ce que vous voyez ça, là? J'espère que vous le voyez bien. Ah, et le fait de lui rentrer dans le cul aussi, bah, ça te ralentit, hein. Parce que bah, ça te fait revenir en arrière. Ah non, mais là, c'est bon, j'ai plus le temps de freiner dans les virages ou autre, hein. Bien joué, tu l'as eu. J'étais juste censé le poursuivre. Mais il fallait le dire. Pourquoi vous mettez une jauge de dommage en haut? Tiens, il fait jour dans les cinématiques, c'est cool, hein? J'ai un pressentiment. Je sens que c'est pour bientôt. Ils vont faire le coup. Et ils veulent buter qui? C'est un gros bonnet, Luc. Je n'en sais pas plus. Écoute, Tanner, je veux pas te prendre la tête avec ça, mais permets-moi d'insister sur un point. Désolé de te le dire, mais ta couverture n'est pas sûre à 100%. Et c'est quand même toi qui as flairé cette embrouille. Hancock a arrosé la moitié du FBI.
Et je sais pas ce qu'ils mijotent avec Castaldi, mais de toute façon, ils feront tout pour que tu passes pas l'hiver. Faut que je te fasse un dessin. Laisse tomber tout ça. Dis à Mackenzie que je vais avoir besoin d'un lieu sûr très bientôt. J'ai de bonnes cartes en main, Lec. Et j'ai bien l'intention de les jouer. Tanner, c'est moi. T'es où? Je suis dans le bureau d'Hancock. J'ai regardé dans son coffre. T'es folle? Il y a un gardien dans l'immeuble, Tanner. Ils ont trouvé ma voiture. Viens me chercher, fais vite. T'avais pas autre chose à foutre que de te foutre en danger juste pour que Infogram puisse créer une mission chiante. Ali. Merde! Ali Lou, qu'est-ce que tu fous là? Ah, mais il fait jour dans cette ville de merde de temps en temps. Sérieusement. Est-ce qu'il fait jour dans cette ville de merde de temps en temps? Je me permets de poser la question, parce que ça a pas l'air d'être le cas. Sinon, qu'est-ce que Alilou fait dans ce jeu? Je pose la question. Bon bah il faut aller sauver le prince Ali à Babois. Très bien, allons-y. Alors ça peut être soit Ali Lou, soit Ali à Babois. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali à Babois. Qu'il faut mettre les flics devant, hein, histoire de te ralentir un peu, au cas où tu voudrais les éviter, comme moi actuellement. Je vais éviter d'avoir les flics au cul tout de suite. C'est tout. Et je te jure que ce civil a essayé de me faire choper là, hein. Vraiment. Il a essayé de toutes ses forces, hein. Voilà. Allez. Attends, c'est la fille, ça? Ça ressemble pas à une femme, hein. Pourquoi j'ai de l'infraction? Qu'est-ce que j'ai fait? On est censé s'échapper, non? Je sais pas, Kounas. Ouais, bon. On va laisser passer, hein, voilà, on va laisser se barrer. Si on peut éviter d'avoir trop de trucs qui nous collent au cul en permanence, trop vite, c'est sympa aussi, hein. Oui, on est censé s'échapper, ouais. En même temps, t'aurais pas été faire la conne, on n'aurait pas à s'échapper. Donc tu sais, moi je suis pas pressé, hein, on va faire la mission tranquille, sans se faire voir. Tant que j'ai ce mec là devant, normalement il devrait pas y en avoir qui arrive en face. Ah bah si, en fait. Voilà. Ah bah c'est pas des bagnoles de flics. Je me disais aussi. Donc ils ont gardé le truc de l'animation des sirènes de flics et tout, mais c'est pas des bagnoles de flics. Ok. Merci connard. Mets pas ton signophile la prochaine fois avant de tourner, hein. Écoute connasse, sois déjà contente que je sois venu te t'aider. J'aurais pu ne pas le faire aussi, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore eu à utiliser d'accéléré et j'espère ne pas avoir à le faire.
Tu veux qu'on se fasse prendre? Sérieusement? Je te jure. Laisse-moi le volant. Bah vas-y. Vas-y, te gêne pas. Te gêne pas, connasse, vas-y. Vas-y, amuse-toi bien avec le volant, hein. Connasse qui fait ses commentaires de merde, là, merci, hein. Voilà. Mission réussie, bravo. Ouais, je sais pas si ça mérite un bravo, mais bon. Je sais pas qui c'est cette conne, mais elle me saoule, hein. Encore? Qu'est-ce qui se passe, Ali? Tu veux peut-être ma clé? Le coffre de Hancock était... Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu m'avais dit que t'avais rien contre Hancock. Oui, mais je voulais pas te mêler à cette histoire. J'ai trouvé ça. Ne me refais plus jamais un coup pareil. C'est qui? Je sais pas qui c'est cette nana. Je peux lire? Je sais pas, t'as appris à lire? Si c'est le cas, oui, tu peux lire. Autrement, non, ça va être dur. On a perdu du temps avec Maddox. Ça nous a coûté cher. Enfin bref, la vie continue. Voyons la suite de l'opération en détail. Jean-Paul se met en position de l'autre côté de la rue. Tanner se fait passer pour un gars du FBI. Il conduira la Cadillac. Tout ce qu'il a à faire, c'est passer tranquillement devant le Frenchie. Et bingo, on le tient, notre martyr. En prime, on fait la une des journaux. On aura aussi 4 voitures en renfort, une à chaque coin de rue. Pour le cas, ça tourne mal. Excusez-moi, monsieur Castaldi, on bute qui? Notre cible, monsieur, est le président. Pourquoi? Tu vas où, Tanner? Je dois... T'es bouché ou quoi? C'est maintenant qu'on se tire. Tu sais, mec, dis-toi que t'es un sale flic. Alors tu vas grimper dans la bagnole et on va tous venir avec toi, ok? C'est déjà le président? C'est déjà la dernière mission du jeu? Sérieusement? Sérieux? La mission la plus impossible du jeu. Tu conduis bien, fiston. Merci. Je conduis peut-être bien, mais ça va pas le faire. Hein. C'est déjà la dernière mission. Je sens qu'il va y avoir un accéléré là, hein, parce qu'il n'y a pas moyen que je réussisse du premier coup. Ouais. Allez-y, hein! Vous gênez pas, allez, continuez à me bousiller contre un mur, hein! Moi je m'en fous, hein, je place après, voilà. Non, c'est impossible! Impossible, j'arrive plus à avancer là! Faudrait que j'arrive à reculer, hein, mais non. Non, non, mais regarde-moi ça. Regarde-moi cette difficulté. Regarde-moi cette difficulté de gros bâtard. Voilà, et tu vois, là, ils roulent tous plus vite que toi. Hein, je précise quand même. Voilà, impossible. On va retenter une fois sans l'accélérer. Une fois, hein, pas plus. Oh mon dieu. Est-ce que j'ai réussi à complètement esquiver... Est-ce que j'ai réussi à complètement esquiver tous ces connards? Mais merde, non. Je me disais aussi. Il y en a un qui s'est carrément retourné et qui pétait un plomb. Non mais... Putain mais s'il vous plaît! Déjà qu'éviter les flics c'est du domaine de l'impossible! Mais si vous faites en sorte en plus que les civils te fassent chier! Putain! Où allons-nous, jeune homme?
On va à la mort, trou du cul, ça te va comme réponse? Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi à quel point c'est impossible. Voilà, vous voyez ce que ça donne le niveau d'infraction maximal. C'est impossible d'esquiver les flics qui arrivent en face. Hein, ça c'est évident. Ils savent exactement où c'est que tu vas conduire. Et de toute façon, ils roulent tous à 3000 km/h de plus que toi. Hein. Donc voilà. Et en plus, bien sûr, si tu fais une erreur, t'as pas l'occasion de te reprendre. Hein. Ils vont tous te rentrer dedans, c'est tout. Et mort. Quoique là, apparemment, j'y suis arrivé. Mais bon, ça va pas passer. Hein. Je veux dire, vous avez vu les dégâts qui me restent. Voilà. Bon, bah vous savez quoi, on va faire un accéléré, hein. Voilà. De toute façon, là j'ai pas le choix. Hein. Là j'ai vraiment pas le choix si je veux faire ça dans les temps, on va dire. Voilà. Putain, c'est chaud avec le cul, quoi. Putain. Vas-y, c'est bon, je vais Me dis pas un truc du genre sème-les parce que là, je te pète la gueule. Merci. Oui les gens, vous l'aurez constaté, j'ai fait l'accéléré plus les safety et tout va parce que sinon c'était pas possible. Enfin, si c'était possible, mais ça m'aurait pris 3 jours de plus. D'ailleurs la voiture devrait pas être dans cet état. Hein. Vous allez bien ? Vous allez bien, monsieur? On les a eus, Tanner. Castaldi, Hancock et même Vaughn. On les tient. Eh ben, Benjamin Castaldi passera plus la télévision.
Triste. Mais il y a encore des mecs au FBI qui n'ont pas magouillé avec vous. Ah, ça va prendre un moment de faire le tri dans tout ça. En attendant, reprends ton insigne. Prends-le. Tanner, reviens tout de suite ici, Tanner. Allez, reviens et prends ton insigne. Tanner! Tanner, t'es en train de te mettre dans un sacré pétrin, mon pote. C'est ta dernière chance, Tanner. Tanner! Tanner veut pas. J'aurais pensé qu'il prendrait plus de temps que ça à finir ce jeu, quand même. Ok, j'ai fait les accélérer et tout, mais bon. Voilà. Et si vous voulez voir ce qu'il y a encore, hein, il y a les as du volant qui sont très très drôles, hein, dans le sens où on peut faire la poursuite en fait, et il faut essayer d'échapper à aux flics plus longtemps possible. Mais c'est tellement ridicule, vous allez voir, c'est assez drôle. Hein. Ah non, pardon, c'est pas ça. Attendez, quittez. Non, parce que ça, on le fait déjà assez dans le jeu. Je sais plus ce que c'était. Faut que je retrouve. Ça peut être bien compliqué. Là, c'est la survie. C'est la putain de survie. Et on va faire ça à Los Angeles. Oui, vous voyez, ça, c'est le niveau de difficulté du jeu. Bah là pour l'instant ça va, je survis pas mal mais... Voilà, c'est le record 20 secondes. Et vous savez ce qui est très drôle dans ce jeu en fait, c'est qu'il va se passer toujours la même chose. Genre là je fais rejouer, hein. Je ne touche à rien. Voilà, on voit qu'il se passe ça. Non parce que ce qu'on ne sait pas c'est que ce jeu est ultra scripté, hein. Ce jeu est scripté à mort. Vous avez vu, 11,99. Je fais rejouer. Je ne touche à rien. J'ai mes mains qui sont là. Hein. Je ne touche pas à ma manette. Ça. Vous avez vu? Et vous savez quoi? Ça marche aussi si on fait que une seule chose. Par exemple, je fais rejouer. Et j'appuie juste sur les gaz. Je fais que appuyer sur les gaz, hein, regardez. Voilà. Attention, je fais rejouer. On était à 7,69, hein. J'appuie sur les gaz. De nouveau. Voilà. On peut aussi essayer avec la marche arrière, hein, parce que c'est assez drôle. De toute façon, le jeu il est fini là, donc. Vous savez ce qui est le plus drôle, c'est que pour l'instant, le meilleur score que tu peux obtenir, c'est en ne touchant pas la manette. Mais finalement, le dernier truc à essayer pour voir, le frein à main. Juste le frein à main. Le frein à main, ça apporte des bons résultats. 15 secondes 46 avec le frein à main. Et finalement, le bouton pour faire le burn-out. Appuyer en permanence.
Non. Non, merde. Et vous savez quoi, on peut juste que... Pour que vous compreniez, hein, quand même, entrée score, voilà, vous êtes sûr, oui. Mais bon... Juste que pour que vous compreniez que c'est pas que ce mode-là, hein. Bon, paf, 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 voilà, je m'appelle, point d'exclamation. Donc bref, on peut faire différents tours, hein, qui te permettent de, voilà, de faire des trucs, hein, dans la ville que tu veux. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire qu'avec ou sans flic, c'est la même chose, hein. Il se passera tout le temps la même chose. Attention, j'appuie juste sur le bouton de l'accélérateur. Rien d'autre. Voilà, on peut considérer que ça s'arrête là à peu près. Hein. Hop, on fait reprendre. On appuie juste sur les gaz. Ce jeu est scripté, sa race. Ce jeu doit être le jeu le plus scripté que j'ai jamais vu. Quoi? Oh, il se passe autre chose? Oh, attends. Ça me semble bizarre, ça. J'ai dû appuyer sur un autre bouton, attendez. Ouais, je pense que la première fois, j'ai dû appuyer sur un autre bouton. Celui-là, il se repasse toujours la même chose. Et pour la marche arrière, ça marche pareil. Hein. Attention. Voilà, et si on la refait, je suis certain que c'est exactement la même chose, attention. Juste pour vous dire, j'appuie juste sur le bouton de la marche arrière, là, hein, c'est tout. Ce pauvre mec, là, qui a rien demandé, finalement. Lui, là, c'est qui l'a percuté, c'est pas moi. Ancien, ça va. Je suis l'agent, je vais vous faire un câlin. C'est une merde, monsieur l'agent. Bon, elle est pétée à caisse quelque part. Un arbre, c'est bien. Non, non, même pas. On va juste se trouver un policier qui m'en veut. Merde, il y en avait un à droite, j'avais pas vu. Bon, pas grave. Il est temps de mourir bêtement contre un civil. Cherchons la police. Police. Ouh, la police. Éteint. Chier, il y en avait un à gauche de nouveau, bordel. Littéralement, je me prends une pichenette, ma bagnole est morte. Il y avait des flics derrière. C'est pour ça que j'ai fait le demi-tour sur route, mais... Ah, voilà. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Voilà. On va s'arrêter là, hein, parce que voilà, c'est la fin du jeu, donc voilà. C'est Driver, je vais probablement faire Driver 2 prochainement. Donc voilà, les gens, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, la partager sur vos réseaux sociaux, tel que Facebook, Twitter, la mettre en favori, tout ça me fera un plaisir. Sinon, rejoignez sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Last Band pour vous servir, et bye. Il sautille, bah, moi j'aime bien les airs, c'est mignon. Vu de loin, oui, ouais. C'est mignon. Ouais. Après, vu de près... Ouais, je pense pas que t'as envie de les voir de près, en fait.
Kerrigan, je veux bien avoir de très très près. Zerg et ses Zerglings, je suis pas sûr. Ouais. Après, moi, les cheveux en mode Zerg, je suis pas sûr que... Pas sûr d'être fan.